Nous avons commencé cet enseignement sur l'importance d'être membre de l'Église. Nous avons mentionné 25 raisons pour devenir et demeurer membre d'une Église. 25 raisons pour devenir et demeurer membre d'une Église. Alors, s'il vous plaît, tout à l'heure, là, quand les papiers vont venir, on va vous ajouter. Vous qui êtes là pour aujourd'hui, mais en attendant, suivez et écrivez. Alors, nous avons donné la première raison, nous avons dit que quelle est la première raison? On peut les répéter tous ensemble. Christ lui-même a institué l'Église et la protège. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Jésus, c'est lui qui a institué l'Église. Et la Bible montre que c'est lui qui construit l'Église. Donc, quand une personne ne veut pas être membre de l'Église, parce que la Bible dit, il a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Non, le Seigneur Jésus. Mais maintenant là, si le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés, et que toi, tu ne veux pas, tu es en train de faire obstacle à Jésus. Tu es en train de faire obstacle à Jésus. C'est lui qui ajoute. C'est lui qui l'église. Et on a vu aussi qu'il a dit qu'il protège l'Église. Quand tu es en communion avec l'Église, tu es sous la protection de Jésus. Nous allons revenir sur ça quand nous allons parler d'autres choses. La deuxième raison, nous avons dit que c'est un Saint-Esprit qui constitue l'Église. Le Saint-Esprit constitue l'Église. Alors, les amis, quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Frère Jonathan, il faut donner aussi de ses côtés, pas seulement derrière. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore ici. Ok. Quand il y a les papiers, il faut d'abord donner de ce côté et puis tu vas donner là-bas après. D'accord. Il faut aller demander qu'on te donne quelques papiers. Alors, quand nous sommes sauvés, chacun reçoit l'Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit est de nous unir pour que ensemble nous puissions former le corps. Donc, quand tu es sauvé, tu reçois l'Esprit, le Saint-Esprit t'unit à tous les autres. Et même les dons spirituels qu'il nous donne, il nous les donne pour que nous puissions les exercer dans l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous dit que les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune dans les corps. Alors, nous avons dit que c'est une aberration. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer que le Saint-Esprit t'inspire de t'éloigner de l'Église. Ces temps-ci, l'Esprit est en train de me convaincre de me mettre un peu à l'écart. Non. Quand tu vois un esprit isolé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut enlever saint au devant de cet esprit-là et ajouter mal derrière cet esprit-là. C'est un esprit mauvais. J'ouvre une parenthèse pour vous aider. Le diable, parmi les moments qu'il
aime pour nous attaquer, c'est le moment de notre solitude. Quand tu essaies de t'éloigner, c'est le moment où le diable cherche à attaquer. Et le diable ne cherche pas à attaquer. Zabola il peut t'attaquer juste avec une mauvaise idée. Il te donne une mauvaise idée. Jamais au nom de l'Esprit, vous devez vous couper de l'Église. Et si vous voyez quelqu'un qui prétend parler au nom du Saint-Esprit, détruire l'Église, il n'est pas sous l'inspiration. Et aucun véritable ministre de Dieu, opérant par le Saint-Esprit, ne peut couper les gens de l'Église. Si vous n'avez pas encore l'expérience dans la foi, ne suivez pas ces gens. Donnez-leur le temps. Vous allez voir. Si vous voyez un homme de Dieu au nom de l'Esprit de Dieu se retirer, les amis, on a connu ça. Vous allez entendre quelqu'un, oh non, moi j'ai le ministère des prophètes. On n'est pas en train de reconnaître ça. Ce sont des prophètes comme ça. Ils vont organiser des réunions à part. Vous allez les voir très charismatiques. Mais ils ne vont jamais vous dire. Ils ne vont jamais vous dire les désordres qu'ils font. Toute personne qui opère dans l'isolement, c'est-à-dire il opère en dehors de la discipline, vous ne saurez pas comment il tombe avec les sœurs. Vous ne saurez pas comment il manipule l'argent. Quand vous êtes un homme de l'Esprit, vous allez opérer dans le cadre de l'Église. Pour bâtir l'Église. Faites attention aux prophètes ambulants. Il y a une de mes filles qui m'a raconté un témoignage un jour. Entre guillemets, prophète est venu chez elle. Il vient, il commence à lui parler. Et il sent que la sœur, je sens déjà l'esprit de doute. Ne doute pas, Et il veut partir, il dit, donne-moi l'offrande du prophète. Non. Un prophète qui vous coupe de la vie de l'Église, il n'est pas de Dieu. Les prophètes doivent vous encourager. Mais attention, ils sont très malins. Certains vont vous dire, j'ai eu cette vision. Mais va partager avec ton pasteur. Ça, c'est une manière de te séduire. Posez-lui la question. S'il vous plaît, homme de Dieu. Et vous, qui est votre pasteur? On reconnaît un véritable homme de Dieu dans la manière dont il est lui-même soumis à une stricte autorité. Il doit y avoir une structure d'autorité au-dessus de tout
homme de Dieu véritable. Moko azala likolo ya mosali na nzambe nyonso ya solo solo. La troisième raison, nous avons vu que les apôtres ont fondé des églises locales. Je ne reviens pas sur les références parce que ce n'est une révision. Les apôtres ont fondé les églises locales. Et là, nous avons vu que c'était là où il y avait leur cœur, les églises, le souci des églises. Un véritable serviteur de Dieu, on le reconnaît par son fardeau pour l'église. Et nous avons vu que tout ministère est donné pour l'édification de l'église. Si vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, c'est pour l'édification de l'église. Un jour, j'ai reçu dans mon un évangéliste entre qui aimait un évangéliste. Il me dit, je suis venu vous voir, j'ai besoin de votre encadrement. Oh, il est dans le ministère et il a besoin que je l'encadre. Mais tu es dans quel ministère? Il me dit, je suis dans le ministère d'évangéliste. J'ai dit, ah, mais ça c'est bien, gloire à Dieu. Et je lui pose la question, tu es maintenant dans quelle église? Il me dit, bon, j'ai prié. Et il me dit, j'ai prié. Mais maintenant là, il me dit, non, je prie toujours là-bas. Mais je ne suis pas engagé. Et je lui pose la question. Maintenant, quand tu évangélises, tu envoies les âmes là où? Oh non, je les envoie seulement dans les églises. Je leur demande d'aller dans les églises. Un évangéliste ne travaille comme ça. Il doit avoir la relation avec les pasteurs. Tu ne peux pas envoyer les âmes là où tu ne connais pas les pasteurs. Et si tu les envoies vers un loup, un évangéliste travaille toujours en collaboration avec les églises où il envoie les gens. Je lui pose la question. J'ai posé la question à cet évangéliste. Est-ce que tu as prié? Il me dit, oui, justement, j'ai des problèmes avec ma femme. C'est ça, j'ai dit, quel problème vous avez? Il dit, ma femme ne me soutient plus dans le ministère. J'ai dit, pourquoi ta femme ne se soutient plus? Autrefois, quand j'étais dans l'église, même si je faisais mon ministère, mais j'allais vendre au marché, j'avais mes pères. Et maintenant, depuis que j'ai arrêté, pour le ministère, maintenant là, je n'ai rien. Et ça ne va pas avec madame. Et je lui ai dit, comment tu veux que ça aille bien? Moi, je lui ai dit, c'est toi qui as tourné ta femme en ennemi de ton ministère. Parce que normalement, si tu étais dans les structures d'une église, on allait reconnaître ton ministère. Et c'est là qu'on va te prendre en charge. Et sous l'encadrement de ton pasteur, alors je lui ai posé la question, tu veux que je t'encadre? Il me dit, oui, c'est pour ça que je suis venu. Je lui ai dit, mon encadrement, c'est de te demander de rentrer chez ton pasteur.
et dis-lui, je suis rentré à l'église. Attention avec les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres. Et c'est comme je vous ai dit, faites attention aussi avec les pasteurs de famille. C'est notre pasteur de la famille. Si c'est votre pasteur de la famille, donnez-lui les dîmes, donnez-lui les offrandes, donnez-lui vos actions de grâce et écoutez-le. Mais n'ayez pas trois pasteurs, quatre pasteurs. Vous êtes comme un patient qui va se faire soigner auprès de quatre médecins pour la même maladie. Nous allons revenir sur ça. Un bon médecin, quand vous venez, Il vous demande si vous avez déjà été suivi par quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on a fait sur vous? Mais généralement, les pasteurs en Milan, là, eux, ils vont commencer directement. Ils connaissent même pas ton histoire. Toi, tu ne seras plus comme ça. Amen. Toi, tu n'auras qu'un seul pasteur. Tu n'as pas dit amen. Un bon amen. Hey, regarde ton voisin, là. C'est comme ça qu'on connaît qui est qui là. Toi, quand je vais répéter, tu vas surveiller ton voisin. Toi, tu n'auras qu'un seul pasteur. Alléluia. Moi, j'ai beaucoup de mentors. J'ai beaucoup de pères spirituels. Qu'est-ce que tu vas devenir dans ta vie? Dis à ton voisin, j'aime quand on me prêche comme ça. Et regarde ton voisin qui te parle. S'il ne te parle pas, il est suspect. Alléluia. Amen. Nous avons vu que non seulement ils ont fondé les églises, les apôtres étaient les membres de l'église. Eux-mêmes ont été membres de l'église. Et dans l'église, ce qui préoccupait les apôtres, ce n'était pas les postes. Ce n'était pas les titres, mais c'était les ministères. La fois passée, je vous ai dit que l'apôtre Pierre était membre de l'église de Jérusalem. Et le pasteur de l'église de Jérusalem, c'était Jacques. Même pas les Jacques qui étaient parmi les douze apôtres. C'était Jacques, le frère de Jésus qui s'est converti après. C'est lui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais c'était le ministère qui les intéressait. Ils n'étaient pas comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui. S'ils sont dans l'église et qu'on ne leur donne pas un poste ou un titre, ils quittent l'église. Non. Ce qui intéressait les apôtres, c'était le ministère. Et dans Galates, chapitre 2, nous avons dit, ils sont considérés comme des colonnes de l'église. Ils étaient membres de l'église. L'apôtre Paul, quand il s'est converti, la Bible dit il a tâché de se joindre aux autres apôtres. Jamais un apôtre n'a voulu évoluer. Jamais un prophète n'a voulu. Jamais un docteur n'a voulu opérer
en solitaire ou en solitude. Et la mosakole za la dokotolo mokote kati na bango asepela ki kosala mosala na libanda eklesia. Et il y avait même pas Paul ministry. Et Paul ministry spesa la kati. Ministère du prophète Agabus. Oh, ministère ya prophète Agabus. Tous bango nyoso bazala ki bandimi na kati eklesia. De l'église. L'apôtre Paul, Thomas Paulo, lisez l'histoire. Tanga li solo malamu. Quand vous lisez Actes des apôtres, vous verrez. Soko tangi misala ba Thomas komona. Comme il était membre de l'église d'Antioche. Loko la zala ki mondi mina kati eklesia d'Antioche. Même quand il part implanter les églises. Atako tanga soko ndeko banda mangomba bipai mosusu akobaluki abaluki azoti atia mangomba bipai na bipai. Il rentre à Antioche. Akozonga suka suka na eklesia na ya Antioche. Hallelujah. Amen. Wow. Wow. Toi, tu vas être comme yo les apôtres. Amen. Amen. Tu vas amen. Être stable dans ton église. Surveille les voisins s'il a dit un bon amen. D'ailleurs, nous allons dire amen. Un amen en levant la main. Amen. Comme ça, tu vas voir la personne qui n'a pas levé la main. Hallelujah. Amen. Si quelqu'un ne lève pas la main, pour qui dire amen, le côté, il est suspect. Sous-put. Bint-bin. Binto. Malukai. Malubimpa. Bint-bin. Binto. La première expression, c'est normal. Malukai. Malubimpa. Bint-bin. Binto. Ça c'est ma fabrication à moi. Ngainde na keli liloba wana. Qu'est-ce que ça veut dire? Yangwe la kisinini. Demandez-moi à la fin. Duna ngai motuna na suka na koyebisa yo. Ça veut absolument rien dire. Et la kisina ngwe lokote. Alors, j'avais l'habitude de dire ça souvent. Na mesana ka koloba ngo mingi mingi kala. Un de mes enfants dans le ministère. Moko ya mwana nangana lotomo. Le pasteur Ndombe. Mobateli Ndombe. Comme lui, il aime des fois. Il est allé dans son église. Là-bas. Il a cru qu'il parlait de Chiluba. Il dit aux gens Maloukaï, 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 gloire au Seigneur. Okay. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la cinquième raison. La cinquième raison, c'est que les premiers chrétiens vivaient dans les églises. Les premiers chrétiens vivaient dans l'église. Et pourquoi nous, on va faire exception? Si les chrétiens de la Bible vivaient dans les églises, pourquoi nous, on va faire autre chose? Ce n'est pas normal. Actes chapitre 2. Prenez vos Bibles. Là, je n'ai donné que le verset 46, mais notez le verset 44 et le verset 47 ici. Et je vais vous donner d'autres versets. Il y a d'autres frères qui n'ont pas toujours eu des papiers, s'il vous plaît. Levez la main si vous n'avez pas toujours. Il y en a beaucoup, frères. Demandez qu'on leur imprime qu'ils prennent les papiers, s'il vous plaît. Demandez qu'on leur imprime qu'ils prennent les papiers. Actes chapitre 2. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut lire le verset 44, s'il vous plaît? On peut y aller? Cherchez ça rapidement, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas médité la parole depuis le matin, au moins vous aurez l'occasion de lire la Bible. Vous êtes arrivé? Prenez votre téléphone, votre Bible, votre là où ça se trouve. Levez les mains, en attendant vous qui n'avez pas le papier. Il faut passer vite. Vous donnez que dans un seul endroit. Tu donnes, tu passes, tu donnes, tu passes, tu donnes, tu passes. Comme ça, tu diminues un peu les mains. Ne reste pas dans un même endroit. Fidèle. Comme ça, au moins, certains auront quand même de partout. Vous vous concentrez seulement dans un seul point. Et puis. Fidèle.
Voilà. Ok. On y va. Est-ce qu'on peut lire le verset 44? Tutangi, mulongo tukumine na minei. On y va? Tutangi. Oh, lisez, même si c'est en chiluba, tanga na chiluba to. Si vous avez l'ouba, tanga na chiluba. Même si c'est en français, tu lis en français. Si c'est en lingala, tutangi na lingala. Ok? Mm. On peut y aller? Tutangi. Si tu as écouté dans la Bible. Acte 2, 44, on y va? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Alléluia. Comment toi tu crois et tu vas te séparer des autres? Verset 46. Ils étaient chaque jour. S'il vous plaît, ils étaient chaque jour. Les mots qui viennent, tous ensemble, assis au temple. Et ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient tous ensemble. Mais d'où ça vient? Qu'aujourd'hui il y a des chrétiens, ils ne veulent pas se joindre aux autres. Au contraire, ils veulent retirer les gens. Les chrétiens vivaient ensemble. Déjà, si les apôtres eux-mêmes étaient membres de l'église, à combien plus forte raison les chrétiens, à combien plus forte raison les chrétiens? Dans l'église du Nouveau Testament, une personne qui s'est retirée de l'église, de lui-même, on les considérait déjà comme un païen. Parce que pour s'écarter de l'église, c'était par la mesure disciplinaire. Mais dès que tu te retires de l'église, tous les chrétiens vont considérer que tu n'es pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. C'est aujourd'hui où il y a des gens qui peuvent dire, nous allons revenir sur ça. La véritable église, c'est mon cœur. Même si je ne viens pas là, qu'est-ce que vous croyez? Non, non, non. Dans la Bible, ce n'était pas comme ça. Ouvrez la Bible. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. 1 Jean chapitre 2, le verset 19. Ajoutez ça dans vos papiers, c'est pas écrit. Et si quelqu'un arrive là-bas qui commence à lire, après nous allons lire ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qu'est-ce qu'on dit? Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc, dans la Bible, quand quelqu'un sort de l'église, c'est pas normal. Et c'est la conclusion directe qu'on dit, il n'était pas de nôtre. Parce que s'il était de nôtre, il n'est pas sorti. Toi, tu ne sortiras pas. Parce que tu es de nôtre. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir
voit que dans l'église, les gens qui sortent là, ce sont des gens peut-être. Un jour, je vais vous montrer quelles sont les raisons bibliques pour que quelqu'un quitte une église ou une autre. Il y a des raisons bibliques où la Bible autorise ça. Et si la Bible est pèse une zéla na moto à kabouana na eklesia nae. Un. Yali bousso. Lorsque on enseigne de mauvaises choses. Ezali tango baza ko pesa malakisi ya lokuta. Dans une église où on vous enseigne de mauvaises choses. Ezali ko pesa malakisi ya lokuta. Il faut quitter. Et sengeli o kabouana na eklesia wana. Et si quelqu'un quitte une église, bon, so ki moto akabwani na eklesia na ye, parce que poete, on enseigne de mauvaises choses, basa kote ya makambo lokuta kuna, nous en avons les preuves, biso tozali na bilembo na yango na Biblia, nous allons la quitter. Biso toko yamba moto wana awa. La deuxième raison, tina mi bale moto akabwana na eklesia na ye, c'est que dans cette église, et ça l'a été une église en haut. On vit dans les péchés. Bazali ko stika bino bo sumuka. Sans être discipliné et sans accepter la discipline. Pe bazali ko sembola ta bino te, pe bango pe bandimi na bango te ko sembola. Une église où vous voyez les péchés s'installer. Église si comme on était masumu penze fanda. On ne discipline pas. Bazali ko sembola te bango bazo sumuka. Là, il y a un problème. Les autres raisons, je vous donnerai après. La sixième raison pour laquelle nous devons être membres de l'Église, c'est que l'essentiel des enseignements du Nouveau Testament s'adresse aux chrétiens dans le cadre de l'église locale. Malakisi ebele ya boyokani ya sika epesameli nde ba Kristo na kati ya mangomba. Alléluia. Amen. Quand on a écrit le Nouveau Testament, tango bakomaki boyokani ya sika, beaucoup de livres ebele ya mikanda ont été adressés à des églises. Il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Il y en a combien? Rapidement, s'il vous plaît, il y en a combien? 27, n'est-ce pas? Mais dans les 27, sur le 21, il y a 21 épîtres. 21 épîtres. Et sur le 21 épîtres, épîtres 9 sont adressés à des églises. Citez-moi les épîtres qui sont adressés aux églises. Par exemple, ici. Les épîtres qui sont adressés à des églises. Éphésiens. Corinthiens, Romains, Thessaloniciens, les amis, Banin ami, neuf, Ezalibois sont adressés. Je vais pas nécessairement l'épître aux Corinthiens. Nangina soka mokanda yaba Corinthiens. Alléluia. Amen. C'est adressé, écrit à l'église de Corinthe. Aux chrétiens qui sont à Corinthe. À qui on a écrit les neuf dons spirituels? Aux chrétiens, à l'église, église à Corinthe. Mais maintenant, toi, tu prends ton don spirituel, parole de connaissance, tu viens exercer ça en dehors de l'église. Mais quand on a parlé de ça, où? Dans l'église. Dans l'église.
Quand on a parlé des cinq ministères, c'est dans quel livre? Les cinq ministères, c'est dans quel livre? Éphésiens. Éphésiens, on a écrit à un homme de Dieu. On a écrit à l'église. Mais comment maintenant toi tu veux être ministre de Dieu en dehors de l'église? It doesn't make sense. Something is wrong inside there. Beaucoup d'enseignements sont donnés à l'église. Alors, si tu ne veux pas être dans l'église, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne te concernent pas dans le Nouveau Testament. Wow. Je parle des autres, pas de toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Je parle des autres. Les amis, quand vous regardez par exemple le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, est-ce qu'on a parlé à un chrétien individuellement? On a parlé de ça où? Dans l'église. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a donné des révélations particulières sur l'Apocalypse. Sur le chose des temps de la fin. J'ai un message particulier. Dites amen. Dites amen. Dites amen. J'ai des révélations particulières. Comme Jean avait écrit dans l'Apocalypse. Mais quand Jean écrivait dans l'Apocalypse, la Bible dit quoi? Écrit aux églises. Biblia elobi na Yohane koma na mangpo na mangomba. Le meilleur prophète, le meilleur interprète de l'Apocalypse va se situer dans le cadre de l'église. Mosakolia solo solo oto alinga ko limbo la Apocalypse malamu esengela za nakati ecclesia. Personne ne va plus jamais te tromper. Motomo kota ko tikala ko kabwana awa na ecclesia na ye. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est en train de fabriquer quelque chose, si c'est quelqu'un d'intelligent, il faut faire attention. Hein. Et c'est Jésus. Motango Yesu. Il est en train de fabriquer son église. Et toi, l'église, ce n'est pas important. Hein? Hey. Wow. Si tu ne veux pas être dans l'église, beaucoup de choses de la Bible ne te concernent pas. Et si tu veux vivre ta vie chrétienne en dehors de l'église, alors coupe beaucoup de livres du Nouveau Testament. Lorsque vous vous réunissez, faites ici, samedi à la montagne de Mangengenge. Samedi, tozo matana ngomba Mangengenge. Dernier dimanche du mois à la forêt. Vendredi la nuit, veillez des prières là-bas. Vendredi na budu tokosa na butu mabondeli mosika kuna. Vous êtes de quelle église? Siko yo sambela kan ecclesia nini? Vous êtes de quelle? O sambela kan ecclesia nini? Maintenant, quand Jésus dit, et bon, tango yesu alobi boye, je bâtirai mon église, na kotonga eklesia na ngai.
toi ta bouche. Yo na monoko na yo. Seigneur, je t'adore. Kolo na so kuma. Même là à la forêt là, là à la forêt, dans la montagne. C'est le nom de Jésus. Jésus. Oh Jésus. Agis. Mais Jésus a dit, j'ai bâti mon église. Et toi tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis de l'église? Jésus est en train de bâtir l'église. Mais toi, en train de détruire l'église, en train de vouloir que Jésus agisse pour toi. Hey, Maloukai. Dintibin. Binto. Hey. Hey. Ish. Ish. Yeah. Yeah. Je pense que le jour où tu iras à la montagne et tu diras, Seigneur, aide-moi à contribuer à ton œuvre qui consiste à bâtir l'église, tu seras un intime de Dieu. Oh, tu as raté ça, pourquoi tu n'as pas dit amen? Oh, alléluia! Et c'est quoi l'église? C'est l'église. Et ça dit l'église. C'est quoi l'église? C'est l'église. Et ça dit l'église. Église, c'est ça dit l'église. On ne dit pas, mais pourquoi le pasteur parle seulement de l'église et les groupes de prière? Oh, je n'ai rien contre les groupes de prière. Si vous voulez faire votre groupe de prière, faites votre groupe de prière. Mais respectez l'église. Si vous voulez, à partir de votre groupe de prière, vous détacher de l'église, appelez simplement votre groupe de prière église. Mettez les anciens, mettez les pasteurs, mettez tout là-bas. Point bas. Je n'ai rien contre. Si vous avez votre ministère, vous sentez que c'est chaud chaud là et que vous devez commencer quelque chose, commencez l'église. Et puis ne commence pas avec la stratégie. Comment non, je commence d'abord les réunions de prière. Tu tires, tu tires, tu tires les membres des autres de l'église. Après, tu dis Dieu m'a convaincu. Tu commences avec l'évangélisation, tu gagnes les âmes. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Pas le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient les membres des autres églises. Non! Suis le modèle de Jésus. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes des spécialistes. Je vais organiser réunion des grands jeunes. Je prends les jeunes des autres églises, je les réunis dans une salle de fête. Chaque mois, j'organise des moments de prière et des temps forts. Et après, maintenant, je reçois la révélation. Dieu m'a maintenant convaincu que l'église doit commencer. Que ceux qui partagent la même vision avec moi restent. Et les autres, vous pouvez rentrer dans vos églises. Tu les as déjà amadoués. Tu les as déjà impressionnés. Tu les as déjà amenés à un niveau où ils sont maintenant durs. Heureusement, ils ne réussiront pas avec les membres de cette église. Tu n'as pas dit amen. Ils ne réussiront pas à vous voler. Ils ne réussiront pas à vous voler au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Moi, on me volait des membres quand je ne connaissais pas bien mon rôle de berger. Écoute. Yoka. Dis à celui qui vient te déranger là que pardon, pas moi. Tu risques d'avoir des problèmes spirituels dans ta vie. Parce que notre pasteur, c'est vraiment un berger. Il t'attaque au loup. Tel que je suis là. Seigneur, celui qui vient pour voler les membres de cette équipe, c'est-à-dire c'est un loup. Seigneur, qu'il te rencontre sur le chemin. Seigneur, qu'il te rencontre sur le chemin. Seigneur, qu'il te rencontre sur le chemin. S'il y a un homme de Dieu, entre guillemets, homme de Dieu, s'il y a un serviteur de Dieu, entre guillemets, serviteur de Dieu, à moins que je sois en dehors de la parole de Dieu, à moins que moi-même je sois un voleur de brebis, qu'il vienne vous toucher. Akomona. Hey!
Et là, dans le domaine spirituel, il va rencontrer les anges qui veillent sur la parole de Dieu pour l'exécuter. Il va rencontrer les anges. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Moi, je parle de la parole de Dieu et les anges sont en mouvement. Doucement, doucement. Pas dans cette église. Ah, en église, oui, bâton. Je suis comme David. Nazalokola David. Quand je vois un loup. Dans mon amoning koi. Venir s'attaquer au. Ayeko bundi saba même nangai. Je me jette. Garimoko na tele meleliye. Je le déchire. Levez les mains vous qui avez besoin de papier. Bino boaba même boto mala loboko. Levez les mains vous qui avez besoin de papier. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Fida. Qui trouve que le pasteur parle bien? Nana moi te mobate na soba malamu. Mais écoutez. Je vais vous le dire bientôt. Na kwem sabina okala mingi te. Les membres de l'église sont appelés des brebis. Et aucune brebis ne peut se protéger elle-même contre et le loup. Ah, vous ne saviez pas ça? De vrai, aucune brebis ne peut se protéger seule. Je vais revenir sur ça. Et je sais que quand je parle comme ça, il y en a d'autres qui font mais ils ne comprennent mais. Pas. Mais moi, en tant que berger, je comprends. Alléluia. Nous avons besoin d'une église locale pour croître. Vous savez, les amis, dans Ephésiens chapitre 4, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 au verset 15, la Bible nous montre comment Dieu a donné à l'Église des ministères pour l'édification des saints. Il a donné à l'église les cinq ministères. Ephésiens chapitre 4. C'est dans votre papier là. C'est dans votre papier, ne posez pas la question, regardez. Il a donné à l'église des ministères pour l'édification des saints. Et l'église est le cadre approprié pour la croissance équilibrée dans la vie chrétienne. Parce que dans l'église, vous êtes exposé aux cinq ministères. Vous êtes exposé au ministère d'enseignement. Vous êtes exposé au ministère des prophètes. Vous êtes exposé au ministère des pasteurs. Vous êtes exposé au ministère d'évangélisation. Et ainsi, vous pouvez croître dans votre vie spirituelle. Si vous... Vous êtes dans un cadre où il n'y a qu'un ministère qui s'occupe de vous. Il y a des choses qui manqueront à votre édification. Il y a des choses qui manqueront à votre foi. Dans l'église, nous sommes exposés au ministre, à tous les ministères. Et également dans l'église, nous sommes exposés au ministère de tous les autres croyants. Alors, pour que quelqu'un puisse grandir dans la vie chrétienne,
La personne a besoin d'être au contact des autres ministères, de tous les ministères. Et vous avez besoin de toutes sortes de relations pour connaître une croissance équilibrée. À l'église. Nakati Ecclesia. Dites à l'église. Loba na Ecclesia. Vous avez des relations avec des parents. Bozali na boyokani na baboti. Vrai ou faux? Ezabongo tote. Vous avez des relations avec les enfants. Bozali na boyokani na bana. Vous avez des relations avec les frères. Bozali na boyokani na bato bokani na bango. Normalement dans l'église. Oui, longo bani na Ecclesia. Quand maman est sans beaucoup telle qu'elle est là. Maman Véro est sans. Tu vas par exemple, lève-toi. Maman Véro, téléma. Si tu vas par exemple, Sokindakisa, elle, telle qu'elle est là, Ndengazawana, il dit, je pars au ministère des femmes de feu. Alobina keina ministère ya femme. Qu'est-ce que le ministère des femmes de feu? Oh, ministère à femmes de feu. Le ministère des femmes de feu, nous sortons le feu. Alobina bisona ministère à femmes de feu, to bimisarande moto. Ce qui est une bonne chose. Et zali lokwa malamu. Pourvu que ça soit pour édifier l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais maintenant, dans le ministère des femmes de feu, si qu'on a ministère à femmes de feu, où est-ce que tu apprendras à prendre soin des enfants? À l'église, tu as la relation non seulement avec les femmes, mais avec les enfants, avec les enfants, avec les parents, parce que tu apprends à être toi-même enfant. Donc, l'église te met dans un contexte où tu es obligé de connaître une croissance totale et équilibrée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des gens ici à l'église que tu appelles papa? Comme moi tu m'appelles papa. Est-ce qu'il y a des gens à l'église que tu appelles enfant? Est-ce qu'il y a des gens à l'église que tu appelles sœur, frère? Tu as toutes sortes de relations. Et je vais vous le dire tout à l'heure. Et la croissance de quelqu'un ne vient pas seulement des facilités mais des épreuves. Et il y a quelqu'un qui a été mis en place. Il y a aussi des chocs. Par exemple, tel que tu es là. Donc, si je te parle comme ça, tu grandis. Parce que je te parle avec l'autorité du Père. Si tu vas là où tu n'as aucune autorité de Père, il y a quelque chose qui va te manquer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je lui parle avec l'autorité de Père. Mais, à un moment donné, mon autorité de Père, pour ne pas rencontrer ses assentiments charnels, c'est pour ça qu'elle va grandir. Parce qu'elle va apprendre la soumission. Elle va apprendre l'obéissance. Elle va apprendre tout ce qui Soyez un bon membre de l'église. Et tu vas bien grandir. Si vous voyez les gens qui, demain ou après-demain, montrent des instabilités, regardez seulement. Ils n'ont pas connu la vie d'église normale. Wow. Je vais ajouter. Nanina bakisa moko. Une dernière raison. Tina yasuka pona lelo. Et nous allons partir. C'est la huitième. Tozana tina mwambe. Ensemble. Et longo. Les chrétiens forment la maison de Dieu. Ba Christo basalaka o batobenginda kuna nzambe. Ensemble, nous formons la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, l'apôtre dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Vous êtes
l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, 15 nous confirme cette vérité-là. Que l'église est la maison de Dieu. L'église, ensemble, nous formons la maison de Dieu. 1 individuellement, chacun est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens, individuellement, chacun est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est pour cela que beaucoup ont dit que la véritable église, c'est le cœur. Non. Dans 1 Corinthiens, quand on parle de notre temple, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, on ne parle même pas du cœur. On parle de notre corps. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, il n'est pas fait mention de l'église, mais de notre corps physique. Comme pour dire que si nous suivions ça avec l'implicité, la dignité, nous suivions les temples de Dieu. Ça, c'est une expérience individuelle où tu es temple de Dieu. Mais ensemble, nous formons maintenant la maison de Dieu ici sur la terre. Et quand on parle de la maison de Dieu, il y a quelque chose de très important que j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre 2, 5, s'il vous plaît. Si on peut y aller tous ensemble. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. On y va? Et vous-même, comme des pierres vivantes, qu'est-ce qu'on dit? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit? Qui sommes-nous? Tout ça, banani. Nous sommes tout ça, des pierres vivantes. Bon, pourquoi? Parce que dans la construction du temple, on utilisait des pierres. Et chaque chrétien est une pierre. Mais mon ami, une pierre n'a pas de valeur en dehors de la maison. On l'appellera seulement pierre. Mais lorsque la pierre est mise dans une construction, la pierre prend de la valeur. Ta vraie valeur, tu l'as dans l'église. Wow, est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Et les amis, lorsque on retire une pierre d'un édifice, il y a un trou qui reste. Maintenant, regarde combien de fois tu as laissé les trous dans la maison de Dieu. Quand tu t'es retiré, il y a ton voisin, tu vois. Hein? Et c'est quand un chrétien se retire, il n'a plus de valeur. Et il détruit l'Église. Nous avons été destinés à former une maison. Toi, tu ne te retireras plus jamais. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen.
À partir de la semaine prochaine, lors de nos enseignements d'études bibliques et de vendredi, nous allons prendre les présences. Pour la simple et bonne raison, nous sommes maintenant prêts à donner des cartes de membres aux gens. Et alors nous voulons que la personne à qui on va donner la carte de membre soit une personne qui a compris pourquoi il faut être membre de l'église. Alors il n'est pas normal que vous soyez ouvrier, ouvrière. Et puis, on vous voit pas. Kasi lelo tozo monaka ol susute. On saura que Natango na tokoye ba ete yo vous voulez pas. Oboy na okozala na biso. Mais toi tu voudras. Yo ko sala bongo te. Alléluia. Amen. Alors, nous allons faire une prière.